reborn. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce Born. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, nous allons faire cette vidéo où on entend le témoignage d'une jeune femme qui nous raconte qu'elle a failli se faire enlever. Comment ça s'est passé? Elle va tout nous expliquer ici et nous allons réagir à la fin. Ok? Mais avant, écoutons. Bonsoir tout le monde. En fait, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui doutent de cette affaire d'enlèvement. Mais franchement, je ne savais pas qu'un jour, moi, j'allais faire une vidéo pour parler de ça. Donc, allez, prenez le temps d'écouter. Voilà. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et il a échappé à la mort. Donc, elle va nous expliquer comment elle a échappé à la mort. Échappé à la mort, mon bras est déplacé. Ce bras qui a tapé le téléphone là, mon épaule là, me fait très mal. Je ne peux même pas soulever ma main comme ça. J'ai mal. Je prends un taxi aux environs de minuit, 1h du matin. C'était durant que, ouais, pourquoi, 1h, minuit. Je devais rentrer urgentement à la maison parce que on m'avait appelé. Il y avait un cas de maladie. Donc je devais venir sur place forcément. Normalement je prends un Yango, mais j'ai pas pensé à ça. C'était tellement. Vous voyez, donc j'en prends un bon taxi pour passer. C'était avec ma soeur. Elle dit, ah attends, Andrea, je vais faire une vidéo pour te montrer. J'en peux t'envoyer une vidéo de l'immatriculation du véhicule pour t'envoyer sur WhatsApp. Elle dit qu'elle a dit à sa soeur que bon, elle va emprunter un véhicule pour venir, mais elle va prendre une photo de ce véhicule en question, plus le numéro de matriculation, pour envoyer à sa soeur en cas de cas, on ne sait jamais. Dis ok, bonjour. Et sa soeur dit ok. On prend le véhicule, on discute le plus tout en s'entend. On roule et roule jusqu'à destination. C'est-à-dire qu'il arrive à mon carré fou. Je lui donne son argent. Au moment de descendre, là, le jonathan m'a attrapé comme ça. Et bah, ça allait vite, vite, quoi. Elle dit, est-ce que vous avez vu ce qu'elle a dit? Elle dit que quand elle a vu le taxi, elle a pris une photo de sa plaque d'immatriculation et elle a balancé cette photo à sa soeur, vous voyez non, pour une raison de sécurité. Après, elle a négocié le prix et tout allait bien. Et voici que elle m'a porté ce véhicule. Et arrivé maintenant à destination, c'est là que tout va se passer. C'est-à-dire c'est là où elle est arrivée chez elle, où elle doit lui donner son argent et puis aller à la maison. C'est même chez elle à la maison là-bas que ça va se passer. Tchiii! Ça m'étonne, hein? Attendez, revenons un peu en arrière pour bien écouter ça encore. Écoutez très bien. Ouais, pourquoi 1h, minuit. Je devais rentrer urgentement à la maison parce qu'on m'avait appelé. Il y avait un cas de maladie. Donc je devais venir sur place forcément. Normalement, je prends un Yango, mais j'ai pas pensé à ça. C'était tellement. Vous voyez, donc je prends un bon taxi pour passer. C'était avec ma soeur. Elle dit, ah attends, Andrea, je vais faire une vidéo pour te montrer. J'en peux t'envoyer une vidéo de l'immatriculation du véhicule pour t'envoyer sur WhatsApp. Elle dit ok, donc je monte dans le véhicule, on discute le poutre tout en s'entend. On roule et roule jusqu'à destination. C'est-à-dire qu'il arrive à mon carré fou. Je lui donne son argent. Au moment de descendre, là, le jonathan m'a attrapé comme ça. Et bah, ça allait vite, vite, quoi. Et ça allait fin. Film où les marrons se poursuivent, on ne sait pas où ils sont là. C'est comme ça. Il est mauvais de descendre, mais si compliqué, imaginez-vous, genre vous êtes un taxi la nuit, il n'y a personne, et puis ça se passe, comment vous allez réagir? Et tant que la vie est là. Elle dit qu'elle était entre la vie et la mort. Oui, ça y est, ça va vraiment. Allez, j'ai oublié que j'allais voir le carrefour, c'est là qu'à partir. C'est que les gars, ils ont une nouvelle stratégie. Et elle veut nous expliquer la nouvelle stratégie des gens qui enlèvent les gens. Écoutez bien. Vous êtes où? Mais ton esprit, tu peux les gens, j'ai ton sécurité, il arrive à toi, dévoue ton carrefour, c'est dévoue ton carrefour, il va t'agresser. Ils font croire que tu es en sécurité, ils t'envoient jusqu'à chez toi, mais c'est chez toi là même, ils vont te prendre vos parties. Donc fais très attention.
Donc faites très attention. Faites attention quand vous allez dans les... Avant de monter le véhicule, que ce soit le matin ou la nuit, faites une photo de leur platin. Regardez, envoyez à vos amis. Il faut pas avant tout le monde, voyez. Elle dit qu'avant de monter de ces jeunes d'élèves dans les véhicules, surtout la nuit, faites les photos de leur plaque d'immatriculation et puis partagez cela à tout le monde. Envoyez. Donc on a lutté. Il a commencé à rouler. Elle force. Donc moi j'ai tourné le volant. Il ne s'est pas roulé la voiture, mais il a tourné le volant. À gauche, ça danse, ça partit. Tourné le volant. Lutter, on sait. Moi, il est mordu. Si ça met tout, ça met droite. Il est mordu comme agencée, mais fait mal. Il est mordu. Vu ses chiens, mais il n'est pas dans ce monsieur. Il est mordu comme si c'était Satan qui était devant moi. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Et maintenant, on a écouté ça. Envoyé. Donc, on a lutté. Il a commencé à rouler. Elle force. Donc, moi, j'ai tourné le volant. Il ne s'est pas roulé la voiture, mais il a tourné le volant. À gauche, ça danse, ça partit. Tourné le volant. Lutter, on sait. Moi, il est mordu. Si ça met tout, ça met droite. Il est mordu comme agencée, il me fait mal. Il est mordu, c'est cher à mener dans ce monsieur. Il est mordu comme si c'était Satan qui était devant moi. Elle dit, je l'ai mordu comme si c'était Satan qui était devant moi. On peut faire ça à Satan comme ça? Ouais, mais là, elle était entre la vie et la mort, il fallait se défendre. Faites attention. Faites attention. Ma perruque, bien loin, elle restait dedans. Elle a laissé sa perruque dans la voiture. Mon téléphone, je me suis dit, mais c'est mon sac à main, donc j'ai pu utiliser ça. Je me suis battu avec lui. Faites attention. Faites attention, les gars. Bah, je suis restée une paire de talons. Et puis, ma perruque et mon porte-monnaie. Ouais. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? On dit Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Ah! Ouais. Elle s'est défendue d'elle. Vraiment, c'est battu d'elle. Mais elle nous a donné quand même beaucoup de conseils. Elle dit que vraiment, si. Elle dit qu'il est important souvent de prendre des photos des plaques d'immatriculation des véhicules que vous empruntez et de les partager un peu à vos amis en cas de cas quoi. Ça c'est un très bon conseil. Ça c'est un très très bon conseil. Elle s'est battue, même avec une main, Dieu merci, c'est allé. Ça veut dire que là, que Dieu vous donne la force de vous battre. Ne vous laissez pas faire. Ouais, c'est incroyable. Mais ouais. Hein? C'est de ça que je vous ai parlé dans la vidéo précédente pour vous dire que vraiment il y a quelque chose à vous faire écouter. J'avais perdu la vidéo, mais Dieu merci, je l'ai retrouvée et vous avez entendu. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Ok? Ça vous de jouer. Waouh! Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir l'Union Scrubbonne, dans la description se trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouvent nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Union Scrubbonne 3. Application Scrubbonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Union Scrubbonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.